sur le terrain, il y a à peu près 150 personnes. Dans ces 150 personnes, il y a une cinquantaine d'enfants et une centaine d'adultes. Pourquoi ils se sont installés ici? Parce que ça fait la cinquième expulsion, donc ils ont trouvé ce terrain-là depuis début juin. Et les gens viennent ici par commodité parce que il y a des toilettes et de l'eau, et puis il y a des gens de leur communauté, enfin de leur pays, donc du coup ils s'installent au même endroit. C'est pas un groupe de personnes qui arrivent d'Albanie, ce sont des familles qui arrivent d'Albanie et qui se retrouvent sur ce terrain-là tous ensemble. Alors la majorité des migrants, en tout cas pour l'Albanie, et je pense que c'est pareil pour les autres nationalités, fuient le pays parce que dans le pays ils ont des violences qui seraient encourues sur eux si jamais ils restaient en Albanie, sur eux ou sur leur famille, donc que ce soit des vengeances liées au Kanoun ou dues à la corruption policière, dues à la corruption des terrains, mais en tout cas ils sont en danger en Albanie et c'est pour ça qu'ils viennent en France. Pour la majorité, il n'y a pas de vraie raison économique, c'est vraiment des raisons de vie ou de mort. Et s'ils retournent en Albanie, enfin s'ils n'obtiennent pas l'asile en France, ils essaieront dans un autre pays où ils rentreront et ils reviendront en France parce qu'ils sont trop en danger en Albanie en fait. C'est vraiment des personnes en danger. Donc on est une centaine de personnes dans le collectif, chacun fait vraiment à son échelle et à ses capacités je dirais financière, morale et de temps. Globalement, le collectif soutient moralement les personnes du camp, les aide dans les démarches administratives, que ce soit pour l'école, pour aller chez le médecin, pour la préfecture, pour voilà, les choses où il faut lire le français et parler français. Et puis voilà, le mercredi soir, on essaye de faire des mercredis, ce qu'on a appelé léger, où on apporte un peu de gaieté sur le camp, on fait des activités pour les enfants et voilà. Les enjeux juridiques, c'est qu'on a affaire à des demandeurs d'asile. Donc les demandeurs d'asile ont un droit d'être accueillis, qui est garanti par le droit international, par des textes internes, et qui est que le temps d'examiner votre dossier, au minimum on vous héberge, on vous donne un statut minimum, et on a des références de droit international, de droit européen et de droit interne là-dessus. Or, ce droit qui est noir sur blanc dans les textes n'est pas respecté. Ce qui est en cause, c'est ce qu'on appelle la directive accueil, qui est une directive européenne, en particulier son article 17 qui pose des conditions minimales. Je peux vous les lire, c'est très court. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. Ils font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance, protègent leur santé physique et mentale. Voilà. Donc en gros, on demande l'application du droit. On ne demande pas la charité ni des œuvres de solidarité, on demande l'application du droit. Et face à ça, on nous dit, c'est intéressant, mais j'applique pas le droit. Voilà. Merci.